d'emporter, mais enfin, ça manque quand même d'ambition. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un match qui va se dérouler sous la pluie. C'est parti, le Real Madrid donne le coup d'envoi. Sadio Ramos. Karim Benzema. Il prend sa chance. Contré. Company. Sterling. Il s'avance vers la surface. Toni Kroos. Modric. Avec un tir. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Et cette fois, c'est capté par le gardien. David Silva. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Raphaël Varane. Ouais, il lui rend première intention. Gareth Bale. Il prend le temps de centrer. Une superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. On voit l'action qui amène ce but. Un très bon centre et après, bien sûr, c'est plus facile. Ah bah oui, il n'y a plus qu'à la mettre dedans. Ah, il va trouver la tête de Benzema. Superbe finition. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Allez, peut-être une bonne occasion. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Isco. Le bon centre. Ah, quelle reprise de la tête, timing parfait. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Ouais, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition. Ah, le ballon est perdu. Agüero. Attention à la retombée. Gareth Bale. Carvajal. Ouais, la touche sera pour Man City. Alors qu'on revoit le but. Oui, conclu à merveille. Superbe but. Sané. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile.
Gareth Bale. Cross. La récupération des Citizens qui vont pouvoir enchaîner. Corner à suivre. Il va peut-être y avoir danger. Bonne intervention du gardien sur ce corner. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Et il centre. Sterling. Aguero. Pas de souci pour le gardien. La frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Cross. Et c'est récupéré. Luka Modric. Sterling. Sadio Ramos. Modric. Attention, parce que Gareth Bale a du soutien. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. La récupération des Citizens qui vont pouvoir enchaîner. Cristiano Ronaldo. Et le ballon dans les bras du gardien. Sterling, touche pour le Real, dit l'arbitre. Isco, Ronaldo. Ouais, bonne interception. Sterling. Choisit la frappe. Ah, c'est déchiré hein, sur ce tir. On écarte le jeu. Sterling. Attention, le défenseur est passé au travers. Ouais, le centre. Sané. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué. Il a raison de tenter. Hein. David Silva. Sané. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Gareth Bale, Isco. Ouais, la bonne transversale. Il cherche Gareth Bale sur ce centre. C'est l'adversaire qui finalement a la récupération de ce centre. Isco. Et dans le tir qui est contré, il fallait dégager, hein, c'est bien. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, un partout. Et la fin à l'instant de cette première période, de ces 45 premières minutes. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. C'est vrai que quand je regarde les statistiques, on constate une égalité quasi parfaite. À...
On a déjà disputé 45 minutes sous la pluie. Apparemment, c'est parti pour durer. Le terrain commence à être abîmé. Hein. Bon, les jardiniers ont fait ce qu'ils ont pu à la pause, mais c'est compliqué maintenant. Qui pour reprendre ce centre de Modric. Il perd le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. La frappe. Oh, c'est contré ce tir. Fernandinho. Et faute contre le Real Madrid. Et le voilà averti maintenant. C'est mérité, d'ailleurs le joueur ne bronche même pas. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et à faute, bien sûr. Sur ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Sergio Aguero. Ouais, le duel. Modric. Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Marcelo. Le ballon qui change de possession. Attention, ça peut coûter cher cette erreur. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Et le ballon qui arrive dans la surface. Sterling. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Et il centre. Karim Benzema. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Modric. Ballon à destination de Cristiano Ronaldo. Ouais, il a du soutien. Allez, il faut centrer. Le tir. Ouais, signalé hors jeu, Kun Agüero. Ça circule bien la position de hors-jeu pour Karim Benzema. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Agüero. Et frappe contrée par le défenseur. Benzema. Cristiano Ronaldo. Il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ballon capté par le gardien. Gareth Bale, oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Bale. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Modric. Ouais, excellente interception, bien joué. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Oh, c'est dangereux. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On voit son but ralenti. C'est vraiment du grand spectacle. Hein.
Et 2 buts à 1 donc maintenant. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Il préfère centrer. Oh, sauvé par la barre! Isco. Et cette statistique qui souligne une forme de paradoxe, hein, un peu. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire paradoxe, mais enfin, c'est surprenant de voir une équipe capable de se créer autant d'occasions et être menée au score. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Attention, ça peut faire but. Karim Benzema. Marcelo. Sané. Ah oui, le centre dans la surface. Le bon centre. Ah, le centre. Et non, ça ne passe pas, c'est contré. Isco. Et voilà, ce match disputé qui s'achève. Courte victoire 2-1 donc. Voilà, ça fait deux matchs d'affilée que la victoire leur échappe. Il faut qu'ils trouvent une solution pour changer la donne. Perdre deux matchs consécutifs, c'est dur mentalement. En même temps, c'est dur au classement aussi.